Malheureusement, situation est encore toujours pareille. Et dernier lien, ce qui fait nous plus agacement encore, c'est dernier circulaire qui fait tirer depuis secrétaire pour public service. Dans sa circulaire là, il peut mentionner tout fonctionnaire, il prend fonctionnaire en général. Qui, si dorénavant, un fonctionnaire qui est positif, automatiquement, j'ai besoin d'aller en isolation 10 jours. Et sa période d'isolation là, peut couper ça soit dans notre cycle livre, soit dans notre local livre, ou soit dans notre vacation livre. Donc, mais pour nous, infirmiers NIS, nous ne pouvons pas causer ces infirmiers NIS là, on peut causer pour tout travailleur qui travaille dans l'hôpital. Je vous précise bien, dans l'hôpital, nous posons parfois la question comment nous devenons positifs. Et si arrivé nous devenons positifs, nous allons dire que nous devenons positifs, c'est grâce à un contact que nous gagnons dans notre travail. Ça positif là, nous besoin, le ministère, le gouvernement, besoin prendre en considération. Ça isolation quand nous devenons positifs là, besoin considérer ça comme un occupational hazard. Pareil, comment si jamais nous arrivons, nous blesser dans le travail, ça blessé là, considéré comme un injury leave. Donc, nous faisons un appel encore une fois à la Secrétaire for Public Service, reconsidérer, réponse là, qui travaillait à l'hôpital, tout grade, si jamais vous êtes positif, pas, nous pas besoin de couper ça dans nos sick leave ni dans nos vacation leave. Considérez ça comme un COVID leave. Donc, nous arrivons à la période de décembre, nous disons au gouvernement que cette année-là, exceptionnellement cette année-là, pas faire aucune fête fin d'année au niveau de l'hôpital, par respect avec sa bande du monde qui finit décédé là. Nous vous présentons là un t-shirt qui, à partir de lundi, nous peut distribuer gratuitement à tous nos infirmiers, nurses, qui, pendant une semaine qui peut venir là, vous pouvez mettre ce t-shirt là, l'autre uniforme, juste pour créer un awareness. New Nurses Union, nous pouvons organiser un candlelight memorial en mémoire de tout ban staff de la santé qui finit décédé. Nous pouvons faire le lundi 13 décembre à partir de 7h tantôt. Nous verra dans la cour devant la cathédrale pour lui. Parce que nous pensons qu'il y a une place sacrée. Et en deuxième lieu, il existe devant la porte de Pierre.